La commune urbaine de Koulikoro, capitale de la 2e région administrative du Mali, dispose désormais de sa station de traitement des boues de vidange. L'infrastructure a été inaugurée le jeudi 16 février 2023 sous le haut patronage du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable en compagnie de l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Mali, des autorités administratives et politiques et des responsables des services techniques. Bâtie sur une superficie de 3,5 hectares, cette nouvelle station de traitement des boues de vidange est le fruit de la coopération entre le gouvernement du Mali et le Royaume de Belgique. Selon le maire de la commune urbaine de Koulikoro, le joyau vient soulager la population de la lancinante question de la gestion des eaux usées de tout genre. Avec cette station, je suis convaincu que le domaine de l'assainissement liquide gagne en innovation positive dans tout le Mali, et dans la ville de Koulikoro en particulier. La SDBV constitue la maillon finale qui demande une gestion rigoureuse des maillons de départ, notamment des infrastructures de stockage, des eaux usées et des gazous. À la population de Koulikoro, j'engage la responsabilité citoyenne de chaque individu pour son petit geste et je dirais finir la défécation de l'air libre, finir le rejet des eaux usées et gandous dans l'environnement. Le coût de la réalisation de cette station de traitement des boues de vidange de Koulikoro est évalué à plus de 1,3 milliard de francs CFA. L'infrastructure constitue, selon les acteurs, un véritable symbole de coopération entre le Mali et le Royaume de Belgique à travers le projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de la région de Koulikoro, PEPAC. La construction de la station de traitement des boues de vidange est une étape indispensable, mais non suffisante, pour la gestion des eaux usées et des gadous au niveau de Koulikoro. En fait, la mise en place d'une véritable filière intégrée va demander une gestion stratégique et opérationnelle de haut niveau, avec trois thématiques importantes à développer. Un service complet et fonctionnel, offert aux citoyens, infrastructures, mais aussi professionnalisation des acteurs. La sensibilisation des utilisateurs publics et privés, et aussi le contrôle qui sera assuré par la brigade d'hygiène et d'assainissement. Donc la réussite va donc nécessiter d'une part une participation active de tous les acteurs de cette filière, et d'autre part une adhésion massive des populations avec pour objectif commun l'amélioration du cadre de vie des habitants de Koulikoro. Alors, plusieurs étapes ont déjà été franchies. On peut citer, par exemple, la mise en place d'un cadre de concertation réunissant périodiquement tous les acteurs de l'assainissement. Monsieur le maire en a parlé, la signature d'une convention de délégation de gestion entre la commune urbaine de Koulikoro et l'ANGSM, la redynamisation de la brigade d'hygiène et d'assainissement, la mise en place de latrines communautaires, et on pourrait citer encore bien d'autres choses. De par son envergure et sa conception technique, cette infrastructure revêt un caractère pilote dans le sous-secteur de l'assainissement au Mali. La Belgique contribue au financement du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour un montant global de plus de 9 milliards CFA. Dont 5 milliards sont destinés à l'assainissement liquide en milieu urbain et rural. La station de traitement des boues de vidange, dont l'inauguration est l'objet de notre présence aujourd'hui, a coûté à la Belgique 1,3 milliard de francs CFA. En cette circonstance, chers invités, je tiens à saluer l'engagement personnel et sans cesse renouvelé en faveur du droit à environnement sain et à la qualité de vie dans le respect du genre du ministre. La commune de Koulikoro a le devoir de rendre un service public d'assainissement de qualité aux habitants de la ville de Koulikoro. Je formule le vœu que la mise en exploitation de cette station de traitement des boues de vidange puisse contribuer à réduire les rejets
anarchique des eaux usées et des gadous qui sont source de danger et de dégradation du cadre de vie des femmes et des hommes qui habitent dans la commune urbaine de Kulikoro. En terminant mes propos, je tiens à exprimer la volonté de la Belgique à soutenir les efforts du gouvernement malien pour l'accès durable et à tous aux services d'assainissement de qualité, tout en veillant à la sauvegarde de l'environnement, au respect de l'équité et au respect du genre. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable a saisi l'opportunité au nom du gouvernement du Mali pour remercier les donateurs, le Royaume de Belgique, pour son accompagnement. Le ministre Modibo Koné a également invité la population de Kulikoro à faire bon usage de l'infrastructure ainsi reçue. Une épine nous est tirée du pied aujourd'hui par la coopération belge à travers la réalisation de cette station de traitement de boue de vidange dans la commune urbaine de Kulikoro. Il constitue un ouvrage moderne qui servira de source d'inspiration au Mali et contribuera sans nul doute à réduire les risques sanitaires, à améliorer le cadre de vie des populations, à protéger l'environnement et à contribuer à lutter contre la pauvreté et à la création d'emplois. Oui, la création d'emplois. En emploi direct en aura, mais aussi en emploi indirect. Ceux qui seront des vidangeurs dans Kulikoro et alentour permettront d'aider nos jeunes, nos filles à s'insérer dans la vie du développement, à se prendre en charge désormais par le salaire minimum qui leur sera payé. La visite guidée dans les différents compartiments de la station de traitement des boues de vidange a mis fin à la cérémonie d'inauguration.